Just don't ask me how I am. My name is Luca. Cette chanson qui raconte l'histoire d'un enfant abusé a fait le tour du monde. Mais pour la jeune artiste de Greenwich Village, c'était un témoignage, pas un message. Ce serait naïf de croire qu'une seule chanson peut résoudre tous les problèmes. Une simple chanson ne peut arrêter la guerre ni faire cesser les abus sur les enfants, mais vous pouvez ajouter une voix au dialogue. Contrairement à son modèle, Bob Dylan, elle ne se considère pas comme une chanteuse protestataire. Je pense que mes chansons sont plutôt individualistes, plutôt des tableaux, des histoires, comme des portraits de gens dans leur vie. Elle écrit des poèmes depuis l'âge de 4 ans et c'est New York où elle a toujours vécu qui l'inspire avec son lot de misère et d'exclusion. Est-elle heureuse elle-même? En ce moment, j'ai vraiment une belle vie. Lorsque j'étais jeune fille, assise dans ma chambre, imaginant l'avenir, je me voyais écrire des chansons et voyager pour un public de fidèles. Or, c'est exactement ce que j'ai maintenant. Mon mari, ma fille et moi voyageons ensemble et c'est une bonne vie.